Yo les amis, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue au monde médiéval de The Guild 3, la suite. J'espère que vous allez tous bien les amis. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Récemment, on a raté une candidature pour une place dans la politique, malheureusement. Donc, on va attendre la prochaine élection, prochaine candidature, et on va essayer de travailler le Not personnage. now, please. On va essayer de travailler le personnage puisque apparemment il y a quelques petites faiblesses sur le personnage. Donc on va jeter un petit coup d'œil tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Armure, résistance, dégâts. Est-ce qu'il n'est pas assez bien habillé? Est-ce qu'il n'est pas assez riche par rapport aux autres? Pourtant, il a quand même le niveau. On en est où par rapport à lui là? Par exemple, si je regarde famille, on en est à quoi? I'm a bit. I'm otherwise engaged. Ah, ça, c'est pas dit là-dedans. C'est pas dit là-dedans, mais on peut regarder ici. Par exemple, on est patricien. Ah ouais, on est quand même loin de noble et châtelain, alors c'est un peu difficile pour prétendre quand même dans la politique, hein. Je crois qu'on va devoir rester un petit bout de temps avec le commerce. Bon, bah tant pis. Là, il est en train de travailler avec sa femme. Il est 6h du matin. On va aller vérifier notre... Ah voilà, il est où le deuxième là? Je l'ai installé. Voilà, il est là le deuxième. On va vérifier ensemble pour voir ce qu'il en est. Ah, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Pour nourrir ça, il faut de l'eau. Et j'avais dit 20 eau, 10 blé. A war is imminent. Oh, 10 blé, voilà, et 10, ok. Et là, 10 fois 10, ça fait 100. Pourquoi ça a été effacé là? On va attendre, hein. On va attendre un tout petit peu pour voir comment ça se passe. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne à évoluer. On va jeter un petit coup d'œil ici pour voir est-ce que ça. Tout fonctionne. Alors, pour le mouton ici, c'est la même chose. Oh, ça travaille super bien ici, hein. Alors, attendez, hein. Pour la vache, il nous faut... Pour 10 vaches, il faut 30 os. Pour 10 vaches, il faut 30 os. Et pour le mouton, il faut 20 os. D'accord. La vache, c'est 30. A family member has leveled up. Ah, il y a quelqu'un qui a évolué. Ici, on va mettre 100. Non. C'est plutôt 10. Je me suis trompé. Oh là 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 là. Je me suis trompé pour le calcul. C'est pas 100. C'est bien ça ou pas? Si, c'est 100. Alors attends, ici pour la vache il faut 10 et 30 os, voilà, la vache c'est 10 et 30 os. On va mettre ça ici, on va mettre la vache ici, là c'est pour le mouton, derrière c'est ça. Ça fait un peu trop quand même, hein. Je me demande si je vais pas enlever les moutons ici. Mais tout de même, il fabrique super vite par là. Sinon, on laisse les autres spécialisés dans les moutons. Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je suis un peu gourmand. Normalement, je devrais pas. Normalement, eux, ils font les moutons déjà, donc je devrais pas le faire. On va attendre une fois que les 10 arrivent.
You are very unlucky. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Nouvelle conducteur. Ah, je suis pas. J'ai pas été. Ah là 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 là, j'ai pas été choisi. Ah là 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 là, c'est pas vrai. Élection la prochaine. 12 à 7h55. Non. Non. Ils m'ont pas choisi. Je me suis trompé, ils m'ont pas choisi. Je suis là, là. Ah non, je me suis trompé. Le résultat n'a pas été fait encore pour cette fois-ci. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais être choisi ou pas? Oh, non. Oh non, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, les amis. What the heck? Un adversaire a changé de demeure. Un adversaire a changé de demeure. Oh, je suis dégoûté. Oh là 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 là. An employee has reached a new professional level. Qui dois-je évoluer? C'est pas ici. Dis donc, la vitesse, ça va super vite, hein. Ah, il y a deux employés à évoluer ici. Allez, on va évoluer quoi pour lui? On va mettre... Allez, on va mettre un peu de perception. Ah non, on va augmenter un tout petit peu. La prochaine fois, ce sera pour la perception, d'accord? Optionnement, my God exalt. Je veux qu'ils dépassent tous les 100%. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Voilà. À partir de la prochaine fois, on mettra... Ah, je suis dégoûté, je sais pas quoi faire. Attends. Comment je peux évoluer? Tiens, ici, on va mettre un peu plus de monde. Ah, voilà, ça y est, on y est, les amis. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, ils sont en train de fabriquer. Voilà, là, le calcul est parfait, les amis. Le calcul est vraiment parfait, de chez parfait. Je vais essayer d'augmenter les employés. Ah, je ne peux pas augmenter d'employés. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas augmenter d'employés. Est-ce que le stockage... Ici, il y a beaucoup de place. Je devrais peut-être... dans l'autre, je vais peut-être enlever un peu. Parce que là, ça va faire beaucoup, beaucoup trop. Je vais peut-être enlever les moutons ici. Je vais laisser l'autre travailler. Ça devrait moins gêner. Comme ça, il y aura moins de stock. Ouais, on va faire ça comme ça. On va laisser que les moutons et les cochons ici. Les cochons et les vaches. Donc, les 30, les 20 hauts, les 10 hauts, c'est pour lui. Les 10 hauts, c'est pour le cochon. Voilà. Et les 30, c'est pour la vache. Voilà, et le blé, ben, le blé, il n'y en aura plus besoin. Hein. Le blé, il n'y a plus besoin, c'est dommage. On va demander, je sais pas qui, ben, là, on a du blé à l'avance. Ah, c'est dommage. On a du blé et des moutons, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Bon, bah tant pis les amis, on remet les moutons. On remet les moutons, d'accord. Pour les moutons, il nous faut 20 os. Il nous faut 20 hauts. Thank you very much. Je me demande si je peux draguer une autre femme pour me marier avec. Orge, il en faut 10. Et mouton, il en faut 10. Tant pis, on va laisser ici parce que là, j'ai la flemme de déplacer le blé vers là-bas. On peut An le faire. Has reached a new professional level. On peut le faire, mais j'ai un peu la flemme. Donc, on va les laisser faire. On a beaucoup d'emplacements. C'est pas un problème. Qui c'est qui a encore évolué, là? Ah. Alors, la famille évolue et eux aussi. Alors, 97. On continue, les amis. On continue. On continue. Ici, c'est bon. La famille. La familia. La familia. La familia, c'est pas ici. Est-ce que le petit travaille? I'm quite grown up already. Ah, il travaille super bien, hein. Il a 10 ans déjà, je crois que je vais bientôt le désigner.
Je crois que si on le désigne pas, il n'aura pas de cheval. Je sais pas. De toute façon, il a son caractère. Il commence à s'imposer. Ah, c'est lui qu'on doit évoluer. Salut. Hello. Ouh là 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 là, toutes les compétences qu'il a. On va augmenter quand même la production et on va jeter un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter le dernier fils. Non, il n'est pas encore prêt. A family member has leveled up. Ah, c'est dommage, hein, je voulais faire une équipe de foot et finalement, finalement, je peux pas. Alors, mari et femme, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'en ai un ici. J'en ai un là. Oh! Bah, oh, ils sont tous les trois prêts à travailler. C'est cool ça, je m'en souvenais pas. C'est excellent. Oh là là, j'ai 24 000 les amis, je sais pas où donner de la tête là. C'est horrible, j'avais pas surveillé. Bon bah on va évoluer encore notre niveau, hein. D'accord? Ça va nous coûter. Ah oui, je sais. On va soudoyer quelqu'un, tiens. J'avais dit au dernier épisode qu'il fallait soudoyer quelqu'un, et ben on va le faire dans cet épisode. 12 000, il me restera 12 000. Allez, on prend le titre de patricien. Ça peut nous servir pour beaucoup de choses. On peut jouer au dé, on peut. Congratulations. Your tireless drive has earned you permission to bear a new title, Patrician. Will you buy me something C'est nice? très dommage de ne pas comprendre ce qu'il dit. Vraiment, hein. C'est vraiment très, très regrettable de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Alors, on contrôle les amis, on contrôle la quantité. Nous avons ici la fabrication de ça, la fabrication de ça, le poisson, la truite. Allez, on va la fabriquer quand même, les amis. On va en mettre un partol, d'accord? Là, on est riche. On essaye d'extendre un peu nos activités. C'est pas grave si c'est pas trop cher. Néanmoins. Ah, ça y est, la quantité de saumon commence à descendre. Je vais essayer. Ah bah, j'ai plus d'argent. Je vais voir si je peux encore augmenter la capacité de stockage. Emplacement de stockage, 1200, on aura deux de plus. Voilà, allez hop. Voilà. Parce que là, lui, il fait beaucoup de choses. Lui aussi. Alors, il a réduit considérablement. Parce que on n'a pas mis de saumon. Ok. Ok. On va réduire les saumons à. Ah, ça y est, il n'y a plus rien. On va mettre ça à. Voilà. Ça, on va mettre à 20. Et ça, on va mettre à 40. Voilà. Est-ce que ça fait, c'est équilibré ou pas? Là, il faut un brochet, une perche. Là, il faut une perche. Voilà, c'est bon. Voilà. Et si on veut plus, eh ben, on mettra ça. Attends, est-ce que le compte est bon là? Attends, hein. Perche, brochet. On va mettre les perches devant. D'accord? Donc, pour 20 comme ça, il nous faudra 20 et ensuite, il faut 20 perches. 20 perches. Ensuite, il nous faudra 20 comme ça. Voilà, on essaye de diversifier un tout petit peu, les amis, et ça se fait avec les An truites. employee has reached a new professional level. Je fais 60 truites pour 60
Poisson pané. Voilà. Les affaires se portent bien, les amis. On est beaucoup trop riches. Je sais plus quoi faire de mon argent. Vraiment, hein. Alors, ici, on va faire la même chose. Pour 20 comme ça, il nous faut 20 comme ça. Et 20 comme ça. Et pour faire les autres 20, il nous faut 20, ça fait 40. Ici, on va mettre à 40. Parce que juste derrière, on a 20 comme ça à faire. Voilà. Quoi d'autre ? Ensuite, on fait 60 comme ça, sachant que ça va super vite. C'est pas un problème. Voilà. Là, on est bien. On est plus que bien. Ça va super vite. 4 emplacements de vente. Voilà, je pense que le compte est bon. On va aller visiter un peu partout. 4e. 5e. Boucherie, tiens, on va vérifier. Est-ce qu'on a besoin de réparer un petit peu? Alors, 40 morceaux. Un comme ça donne. Un comme ça donne deux comme ça. Un comme ça donne deux comme ça. Donc, 5, ça fait... ici, il en faut 10. Voilà. Ici, c'est pas 18, c'est 20. Ah, la graisse de porc, il en faut 20. Ça, c'est fait à partir du cochon. Un cochon est égal à 5. Donc, un cochon est égal à 5. 10, ça fait 50. 1, ça donne combien? 1, ça donne 4. Oh putain, les calculs mentaux, laisse tomber quoi. Je recommence. Un cochon, ça donne... Donc, il en faut 8 cochons. 40. 40, ça donne... 40, il en faut 10. Ok, donc ça, c'est 40. Il faut 10 morceaux comme ça pour faire 40 comme ça. Le reste, il reste 30. Et là, oh my god, c'est compliqué là. Bon, on va remonter ça à... Oh, la prise de tête. Bon, ils vont calculer eux-mêmes, hein, parce que là, j'en ai marre de calculer. Regardez, si je place ça derrière, on va recalculer pour chacun d'entre eux. La viande de JB, il en faut 1. La graisse, il en faut... Il en faut 2. Donc, si j'en fais 10 comme ça, il en faudrait 10 gibiers. Il en faut 20, pardon. Il en faut 20 gibiers là, devant, d'accord. Ensuite, il en faut... ah non, c'est 10. 10. Là, c'est 10. Et 10. Et la graisse, il en faut 20 devant. Il vient de se passer quelque chose. J'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. Il est 17h. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Bon, je me suis trompé quelque part dans les calculs ici. Mais ce n'est pas trop grave. Tout ça va se vendre de toutes les manières. Ça vous... Ouh là là, 181 les amis. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à se concentrer uniquement sur ça là? Oh là là, mon Dieu. Oh là 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 là. 1 minute 20 pour avoir 180 quand même. C'est pas rien. Bon. Bah on va laisser comme ça, ils vont se débrouiller. Hein. On en a 22 000, il va falloir dépenser. Tiens, on va demander à lui d'aller soudoyer les gens. Comment on va lui demander pour soudoyer les gens? Voyons voir. Soudoyer quelqu'un. Soudoyer un fonctionnaire. Oh purée, ça coûte 6 000 maintenant, c'est plus comme avant. Avant c'était 1500 et 3 000. Oh mon Dieu. Attends, je vais aller au marché, je vais aller acheter des choses pour intimider les gens, pour voir si ça fonctionne avec l'intimidation. Où est-ce qu'il y a un marché, s'il vous plaît? Un marché.
un marché. Ici, il y a un marché, là. Tiens, viens, Pépère, viens. Good. Je vais voir s'il y a quelque chose à acheter pour intimider les gens. Alors, on va vérifier dans les vêtements. Pourquoi il n'y a rien ici? Il y a un problème? Ah non, je me suis trompé. Voilà. Alors, intimidation. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme intimidation? Meilleur prix du marché. On a ici résistance, bonus de réputation. Bonus de réputation 10? Ah ouais. Bonus de réputation 5. Intimidation, tiens, regardez. 2800, armure, furtivité, résistance, intimidation. Ah, je sais pas quoi faire, tout est important, les amis. Capacité de gagner de l'influence, 8%. Et là, capacité de gagner de l'influence, 3%. Ça avec charisme. Bon, bah on va laisser comme ça vaut le coup. Je sais pas comment travailler là. Je sais pas du tout. Il y a trop de choses en même temps, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, j'ai pas le temps de gérer. Get ready. Alors, charisme, t'es trop mos. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? An employee has reached a new professional level. Elle est employée, hein. Il n'y a pas besoin de l'améliorer pour l'instant. Elle va rester comme ça. Tant pis, on n'a pas le choix. Encore un autre, mais je passe ma vie à les améliorer, c'est pas possible. An employee has reached a new professional oh level. Là 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 là, dedans. I'm thirsty. Bon. Allez, on continue de l'augmenter. What will it be? Il nous faut de la productivité. Ouh là là, force. Tiens, on va augmenter la dextérité. Comme ça, ça va augmenter en même temps sa force. Ah là 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 là, c'est dur à gérer les amis. C'est trop dur, j'ai trop d'argent. Mais je sais An pas employee quoi. Has reached a new professional level. Encore? I'm thirsty. I'm hungry. Ah, ils ont faim, ils ont soif, mais ils savent pas aller acheter à manger eux-mêmes. Je sais pas du tout comment les nourrir, les amis. Je sais pas du tout comment les nourrir. Ouh là là, intelligence 0, perception 0. C'est pas grave, on continue. Il y a de l'eau là. Même si c'est pas pour vous, vous pouvez boire et manger quand même, non? Oh, celui-là n'a pas été amélioré. Capacité de devanture. Seulement que 2. Ouais, bon, bah, c'est pas trop grave pour lui. Il produit pas grand-chose. Bon, j'ai beaucoup d'argent. Je vais essayer de... Ah, on avait dit que lui, il yes. devait soudoyer quelqu'un, hein, c'est ça? Soudoyer quelqu'un. Chaque fois, j'oublie. Alors, c'est où pour soudoyer quelqu'un? Soudoyer, mais qu'est-ce que ça coûte cher, les amis? Ça fait quoi si An je... employee has reached a new professional si level. Je clique dessus. Ah, ok. Le voici, les voilà, les amis. Tant qu'à faire, on va peut-être soudoyer quelqu'un qui est très riche. Allez, on va faire. On va voir les informations ah, de chacun d'entre eux, d'accord? Santé 200, oh là 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 là, ça s'engraisse bien, hein. Santé 200. C'est quoi sa richesse? Il a un flingue, ok. C'est... An employee has reached a new professional level. Ah ouais, d'accord. Je vais devoir acheter beaucoup de choses pour mon personnage aussi. Parce que là, ah ouais, il est vraiment. Je sais pas si se mesurer avec quelqu'un comme lui, il va nous broyer à un moment donné. Compatibilité 50%, voilà, 55%. On va aller voir. Yes. 55% aussi. Yes.
Attends, je vais cliquer dessus pour voir. Ah voilà, 64%, 59%, 64%, 70%, avec une femme c'est beaucoup mieux, 67%, 73%, 70%, pourquoi 73? On va voir, hein. 74, c'est encore mieux. 80%, c'est encore mieux. I'm pleased to see you. Yes? 84%, mon Dieu. Oh là 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 là. I know you. Ah, it's you. Ok, what on va prendre le 84% pour être sûr de gagner son coup. Yes? Can I do anything voilà, for on va rester sur 84%. I know you. Ok, alors on va savoir pourquoi. Yes? Elle est super bien habillée, bonus de réputation pas terrible. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Pourquoi elle? Pourquoi on a choisi elle? Pourquoi on a choisi elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Allez, on va la soudoyer. Va savoir pourquoi. The Thieves Guild is spreading rumors. 6000 pour elle. C'est parti. Voilà. On aura un retour d'ici là. Est-ce que je peux soudoyer plusieurs personnes en même temps? Ça y est, on va devoir. Il est parti. Ah, il est parti. Can't help right now. Il est parti la soudoyer directement. On va voir si ça vaut le coup, les amis. Je vais accélérer un tout petit peu la vitesse. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Déjà arrivé? Oh, ok. L'or des lilles et langues. 95. Quand... Ce sac de pièces était posé par terre. Lol. Voilà comment on se doit quelqu'un. Regardez ce que je viens de trouver par terre. Je pense que ce sac de pièces brillantes vous appartient, non? Oh, thank you. Oui, merci. On dirait ma bourse. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Voilà, on a gagné. On a gagné ou pas là? Succès 500. Est-ce que c'est rentré dans mon compte? J'ai pas vu. Ah zut alors. J'ai pas vu monter, les amis. Bon, alors qu'est-ce qu'il peut faire comme action de plus? Saluer quelqu'un. Good. Succès, ok. Here I am. Vous moquez de quelqu'un? C'est pas bien ça. Vanter, non, j'en ai marre de vanter. Faites des éloges à quelqu'un. Yes. 100%. Have you something 100%. To offer me? Do you want to try? Des éloges, hein, ça fait toujours plaisir aux gens, hein. Patricienne, bras droit. Have you something to offer me? On va faire des compliments à un bras droit, pourquoi pas? Yes, sir. Let me tell you something about this fine person. Ok, c'est fait. Ici. Oh my god, graisser les rouages de la bureaucratie, 11 000. Mais what the heck? C'est cher, hein? 11 000, je vais gagner. Ok, on va tenter le coup, les amis. Est-ce que je peux le faire tout de suite ou pas? Je peux pas le faire? Ah oui, d'accord, il faut que ça soit terminé, alors. Écrire une lettre de recommandation. Ah, c'est trop tard. C'est pas grave. Bon bah les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. On verra d'ici là. Je sais plus quoi faire. Laissez-moi tous vos commentaires. Je sais très sincèrement, je sais plus quoi faire. Pour devenir souverain, c'est vraiment... ça prend trop de temps. Ça prend beaucoup trop de... Oh, c'est quoi ça? Ça prend... énormément de temps. Donc, j'attends vos retours et puis... on verra ensemble... Ready. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, oh là là, 7ème niveau. Elle est balèze, elle, hein. Eh ben dis donc, niveau 12 carrément. Allez, on continue la dextérité pour tout le monde, hein, sans pitié. Est-ce que j'ai besoin de réparer quelque chose? 115, hein, il commence à se faire pas bien. Je peux pas évoluer ici. 52,
va pour 52. One o'clock in the morning and all is well. Le cri du loup ressemble étrangement au cri du loup dans Stalker Tchernobyl. Oh, il y a encore lui à faire. Where would you like to go? Oh my god, dextérité zéro. On peut réparer ou pas ça? 61, ok. Alors. Pourquoi je peux pas améliorer? Bon, on verra ensemble au prochain épisode, les amis. J'espère que ça vous a plu. On continue. Bisous, bisous à tous. Ciao, ciao, bye, bye.